voir dans cette introduction, aujourd'hui on va parler monstres. Et ça tombe bien, cette vidéo est en partenariat avec Sony pour la sortie du film Monster Hunter. Monster Hunter est un film basé sur le jeu vidéo du même nom. Tu connais peut-être même le jeu vidéo. Et du coup, ce film qui met en scène Mila Jovovich et Tony Jaa qui a joué dans On Back, les films d'action incroyables. Et dans ce film, on suit Mila Jovovich qui est dans une sorte de dimension parallèle où il y a des monstres ultra flippants, comme le Rathalos, une sorte de gros dragon qui crache du feu. Et il y a aussi des espèces d'araignées qui font ultra flipper, qui peuvent sortir qu'au coucher du soleil et donc la nuit. Donc moi qui déteste les araignées, je me suis dit quoi? Viens, on essaye de refaire les araignées. Ça me dégoûte les araignées. Donc dans cette vidéo, je vais te parler des effets visuels du film et en parallèle, je vais te montrer comment nous, on a pu recréer nous-mêmes une araignée du film Monster Hunter. Et tu vas voir que les techniques ne sont pas très éloignées. Donc c'est parti. Commençons tout de suite cette vidéo qui va être super intéressante. Le film Monster Hunter a plus de 1400 plans VFX, c'est incroyable. Et donc les effets visuels qui ont demandé le plus de temps dans ce film ont été les monstres, les créatures. Donc tout à l'heure je t'ai parlé du Rathalos, donc voici des images un petit peu de la construction 3D. Mais du coup ça va être très intéressant de vous expliquer eh bien comment nous on a pu bosser comme eux. Comment font-ils des créatures aussi incroyables dans les films? Eh bien je vais te montrer ça avec ce petit projet que tu as vu en intro. La première étape va être de concevoir un concept. Dans le film Monster Hunter, ils sont basés du coup sur un jeu vidéo. Donc ils ont reçu des modélisations 3D du jeu vidéo. Vraiment, ils ont reçu les modélisations qui ont servi au jeu pour les retravailler, pour leur donner une dimension beaucoup plus réaliste. Donc ils avaient déjà une bonne base de concept. Dans les films, en général, on crée des concepts. Il y a des artistes qui viennent et qui dessinent pour se donner une idée ensuite pour reconstruire en 3D tout ça. Donc j'ai demandé à mon ami Paul, voici son petit Instagram ici, de modéliser en 3D ces espèces d'araignées dégueulasses. Donc, il a fait ça avec le logiciel ZBrush. ZBrush, c'est le logiciel, je t'en ai déjà parlé plein dans plein de vidéos. Donc, il est utilisé à Hollywood partout et ça a été utilisé du coup pour les monstres de Monster Hunter. Donc là, tu le vois travailler, il construit son araignée petit à petit. Puis ensuite, il va faire les textures avec Substance Painter. Tout ça, on l'a déjà vu plein de fois. Tu vas en apprendre davantage, va voir mes anciennes vidéos. Et là, du coup, il va falloir leur donner vie à ces araignées. Et pour ça, j'ai appelé mon ami Niels qui travaille à ILP, qui est une boîte qui travaille sur énormément de séries du moment. Il a quand même un niveau d'anime incroyable. Et maintenant, donc, vient l'étape du rig et de l'animation. Le rig, c'est tout simplement créer un squelette à l'intérieur de notre modèle 3D pour lui dire, eh bien, grâce à ces contrôleurs que tu vois ici, d'ailleurs, petite parenthèse, Niels a fait le rig et l'animation en 2 jours. Donc, pour les personnes qui sont connaisseurs de 3D, soyez indulgents, mais il a bossé ça en 2 jours. C'est déjà incroyable. Donc, tous ces petits contrôleurs que tu vois là sont posés à des endroits clés. Et ensuite, en bougeant, tu vas pouvoir faire, eh bien, l'animation de ton araignée. Pendant que Niels fait le rig de l'araignée, nous, on est allé donc tourner des plans pour incruster notre 3D. Et pour ça, on est allé au lac du Salagou, qui est un endroit fabuleux, super beau et surtout infesté de veuves noires. C'est incroyable, on est allé au pire endroit, mais c'est un petit peu raccord, on veut incruster des araignées, alors on va à un endroit où il y en a partout. Sans déconner, ce plan-là que tu as vu dans l'intro, c'est une veuve noire. Voilà. Juste sur le tournage, on s'est dit, attends, il faut trouver une araignée. On a juste tourné la tête, on a fait, c'est dégueulasse, elle est immonde. Donc on a tourné ce plan-là, je le trouve plutôt beau. Voilà, c'était la petite parenthèse. Si tu as vu le film et si tu l'as pas vu, il est disponible à l'achat en VOD, c'est vraiment un spectacle visuel. Eh bien, les araignées commencent à sortir au coucher de soleil pour, eh bien, régner un peu la nuit. Donc, on avait peu de temps pour capturer ce petit coucher de soleil stylé. On a tourné plein de plans et si tu as vu l'intro, voici le plan donc où l'araignée se révèle et tu peux voir qu'il a absolument pas la même gueule que le rendu final. Et je vais t'expliquer comment on a fait ça. Donc, ça y est, le tournage est terminé. Maintenant, Niels m'a fait les animations basées sur ce que je lui ai envoyé. Et maintenant, il va falloir qu'on prenne son animation et la rendre. Parce que oui, en 3D, pour les personnes qui ne sont pas connaisseuses du tout de la 3D, on peut pas prendre juste une image et la sortir. Il y a du calcul à faire. On appelle ça l'étape du rendu. Et en général, au cinéma, ils utilisent Arnold Renderer. Là, on va parler un petit peu technique et ils utilisent des logiciels comme Maya. Eh bien, ça tombe bien. Tous les rendus et tout le process a été réalisé sur Maya et Arnold. Donc la différence, moi je te parle très souvent de Octane Render qui utilise le GPU. Arnold utilise lui le CPU, mais quelles sont les deux différences? Eh bien le CPU du coup ça va être le processeur et le GPU la carte graphique. Eh bien avec le CPU on va pouvoir faire des rendus beaucoup plus poussés dans le détail. Donc j'ai laissé Paul travailler sa créature pour qu'elle ait un look vraiment détaillé et ensuite on fait le rendu. Donc pour te donner un ordre d'idée, moi avec Octane Render, l'araignée aurait pu se rendre en, je sais pas, 1 minute la frame, même pas 30 secondes. Eh bien, avec Arnold Render, on est monté jusqu'à 8 minutes. Donc, il a fallu toute une nuit et la moitié d'une journée juste pour rendre cette petite séquence-là. Donc, je te donne des chiffres et du temps pour que tu te rendes compte que sur un film comme Monster Hunter, c'est long et il y a du travail. Donc, je récupère l'araignée qui a été rendue et maintenant va être la phase du compositing. Le compositing, c'est prendre la 3D qui vient de d'autres artistes, la récupérer dans un logiciel et l'intégrer à nos plans pour que ça marche bien. Parce que là, tu vois, si je pose juste l'araignée, ben, c'est moche.
Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Première étape, déjà, on va faire ce qu'on appelle un sky replacement. Comme tu peux le voir ici, le ciel n'est pas très beau, pas très sexy, pas très coucher de soleil. Eh bien, ça, c'est quelque chose qui est très, très souvent utilisé au cinéma. Parfois, on shoot une vidéo, on se dit, putain, le ciel, bah, c'est blanc, c'est gris, c'est pas beau. Donc, on va faire une technique de sky replacement. Et en général, ça marche avec une technique qu'on appelle le Luma Key. On va faire un masquage via la luminance de notre ciel. Notre ciel est éclairé. Il y a le soleil, il y a les nuages, c'est très brillant. Et notre sol a un niveau de brillance différent. Eh bien, nous, dans nos logiciels comme After Effects, mais au cinéma, ils utilisent Nuke, on va dire, tu vas prendre tous ces endroits où il y a énormément de lumière et les rendre transparents. Comme ça, nous, ensuite, on va pouvoir mettre une image derrière. Et moi, j'ai trouvé un pack de sunset incroyable, de coucher de soleil, trop beau. Et on le met derrière et maintenant, on a juste un coucher de soleil épique. Petit truc parfois quand tu utilises cette technique de Luma Key, tu perds du détail. Comme par exemple ici, il y a un talus avec de l'herbe. Eh bien, tu peux voir que l'herbe est dégueulasse après avoir fait ça. Parce que c'est tout petit, c'est des détails vraiment ridicules. Donc, comment j'ai fait pour rajouter du détail à ça? Je suis allé sur le site Production Create qui font des stock shots avec plein de trucs. Comme par exemple, oh, des plantes. Et ça, ça peut être utile. Pourquoi? Parce que je vais prendre ces plantes-là et les mettre à l'horizon du Luma Key. Et là, donc, on a vraiment un sky replacement qui marche du tonnerre de Dieu. Maintenant, je vais devoir incruster mon araignée pour que ça marche bien dans les tonalités, rajouter un effet de lueur aussi parce qu'il y a un coucher de soleil derrière, donc forcément la lumière du soleil un peu déborde sur les côtés de l'araignée. Donc tout ça, c'est dans les grandes lignes, mais en général, pour un plan comme ça que nous, on a réalisé en 2 jours, au cinéma, ils y passent des mois et des mois. Mais nous, c'était le rush, on devait aller vraiment très vite. Alors, j'ai utilisé un plugin de Red Giant qui s'appelle Supercomp. Et Supercomp, ça va nous permettre de faire des tâches qui nous prennent d'habitude 1 heure et de les faire en 20 minutes. Donc, c'est un gain de temps incroyable. Et encore, je dis 20 minutes, mais tu peux le faire en 5. Donc, ça se présente comme ça. Et nous, on va rajouter des notes, par exemple, de color correction pour changer un peu les tonalités de notre araignée pour que ça corresponde au fond. Ensuite, je vais rajouter un effet de light wrap. Light wrap, c'est ce que je t'ai expliqué. La lumière du soleil fait une sorte de halo autour de notre araignée. Et ça, tu vois que avant, après, il y a vraiment un truc différent. On sent de l'atmosphère, on sent que c'est incrusté dans notre image. Donc voilà, avec Supercomp, on passe de ça à ça. Donc tu vois que c'est le jour et la nuit, vraiment, ça marche comme ça. Encore une fois, si tu t'intéresses à tout ça, je te mets tous les liens dans la description, que ce soit pour Monster Hunter ou Red Giant Supercomp. Ensuite, j'ai voulu rajouter un petit effet de lens flare. Donc là, JJ Abrams va être fier de moi. J'ai utilisé un plugin qui s'appelle Optical Flare par Video Copilot. Et donc, ça va me rajouter ce lens flare qui provient du soleil. Et ça rajoute vraiment une petite anomalie donc, sur l'image globale et qui permet encore plus de pousser notre incrustation eh bien, en haut. Voilà, maintenant, l'araignée est bien incrustée dans mon plan. Ensuite vient l'étape du sound design. Et pour ça, j'ai demandé à Ben Jackie de me réaliser un sound design vraiment agressif dans la bête. Et encore une fois, voici le résultat final. Cette vidéo t'a plu et que tu as pu découvrir comment eh bien dans Monster Hunter ils ont pu créer ces monstres parce que c'est le même procédé. On a utilisé les mêmes logiciels, les mêmes moteurs de rendu et juste on l'a fait à notre échelle de prod et avec le temps qu'on avait. Mais au moins tu sais comment ils ont créé ça. Cette vidéo elle est faite pour aussi te montrer le travail d'équipe. Là tu peux voir que j'ai pas été seul, il y avait Paul pour la modélisation, Nils pour l'animation. Le cinéma et surtout les effets visuels, c'est quelque chose qui se fait en groupe. On peut pas, il n'y a pas quelqu'un qui peut faire tout le film, c'est pas possible. Donc tu peux voir que dès que tu travailles avec d'autres personnes, il y a une synergie qui se crée et du coup tu peux ramener tes effets visuels à un niveau incroyable. Donc je t'encourage vraiment à aller découvrir le film Monster Hunter. Comme je te l'ai dit, c'est un spectacle visuel et maintenant que tu sais comment ils ont fait ces monstres, regarde le film et tu vas vraiment halluciner de te dire ok, donc si Atom a fait ça en 2 jours, combien de temps ils ont pu faire ça? 1 heure et demie, c'est la merde. En tout cas, merci beaucoup Sony d'avoir sponsorisé cette vidéo pour la sortie de Monster Hunter. Ça me fait grave plaisir de travailler sur des projets comme ça parce que ça nous met nous aussi un défi. Comment arriver à vous transmettre quelque chose de ludique, des connaissances avec un film aussi gros? Donc si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à me le dire et à le dire à Sony. Comme ça, on recommencera s'il y a des sorties de films. Nous, on peut s'adapter et créer des trucs trop cool. N'hésite pas à partager cette vidéo, à mettre un petit like si ça t'a plu et si tu as appris des choses. En attendant, nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Atom. Ciao.